Avant de commencer la vidéo, les potes, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Discord. J'ai juste un truc à dire, du coup, vous ne serez pas déçus. Avant de commencer la vidéo, voilà, à chaque fois qu'il y a 500 likes, parce qu'il y a des gens, des fois, ils font des concours, genre 500 likes est égal 10 comptes lobby, etc. Donc, moi, je vous explique. À 500 likes, je détruis CD en deux, et à 1000 likes, vous voyez le PC HP là? Mais ça, je le casse en deux, ça aussi. Vous savez, il me sert à rien, j'ai jamais allumé. Donc, s'il y a 1000 likes sur la vidéo, et eh bien je casse ce PC. À chaque 1000 likes, je casse un PC. Et à chaque 500 likes, et eh ben je casse un CD de PS4. Donc voilà, ce jeu il est nul. Je prends le coup, voilà, je prends le pistolet 9 mm, tu connais. Et regardez, là, pour la première fois, je tire avec. Donc voilà. Ah merde, c'est la bille qui s'est cassée. Et le buzz s'arrête pas, donc forcément elle n'arrête pas de parler de moi. J'ai trouvé ma voix, maman, ton fils ne sera pas comme eux. Je crois pas d'un fond dans la part, je regarde par la tête, t'as déjà la queue. Et hop tout le monde les potes, c'est Meiko, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo codage. Enfin oui, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait du coup une vidéo sur ce type du coup de tenue. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter une tenue modée d'amis avec un gilet déboueur. Et j'espère sincèrement que cette tenue elle vous plaira. Bref, on va pouvoir commencer la vidéo, c'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faudra faire c'est se rendre tout simplement avec votre personnage principal en session sur invitation. Et ce que vous allez faire c'est faire start en ligne, activité, jeu activité créée par Rockstar, mission, et lancer un travail de gitan. Vous lancez du coup le travail du gitan, vous allez avoir un petit chargement qui va prendre quelques secondes, et du coup dès que ce chargement sera terminé, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Donc une fois qu'on sera dans le menu de l'activité, on va devoir confirmer les paramètres tout simplement et lancer l'activité. Une fois qu'on sera du coup dans l'activité, on va tout simplement ouvrir son téléphone et la quitter. De retour en session, ce que vous allez faire tout simplement, c'est appuyer sur Start en ligne et vous allez faire changer de personnage. Une fois dans le changement de personnage, vous allez tout simplement créer un personnage secondaire, d'accord? Donc si le personnage est à droite, c'est nickel. Si le personnage secondaire est à gauche, ça ne marchera pas, ok? Donc vous allez créer un personnage secondaire et vous allez lui mettre le sexe en féminin. Pour le moment, il n'y a rien de difficile. Donc s'il est en masculin, vous le mettez en féminin. Et ce que vous faites tout simplement, c'est que vous sauvegardez et continuez. Donc voilà, hop, je mets le sexe en féminin et je sauvegarde et je continue. Hop, et voilà. Donc une fois les potes que vous serez en mode online avec le personnage féminin, vous allez pouvoir commencer les codages. Vous allez vous rendre du coup à un magasin de vêtements et vous allez vous rendre dans les hauts, ok? Une fois dans les hauts, vous allez vous rendre dans les t-shirts normaux et vous allez prendre le t-shirt Vermont, donc le 64e. Une fois que vous l'aurez pris, ce que vous allez faire, c'est vous rendre tout simplement dans les pantalons et vous allez vous rendre dans les jeans, ok? Une fois dans les jeans, on va du coup devoir aller chercher le jean retroussé noir. D'accord? Donc hop, le 38e. Une fois que vous aurez pris du coup le jean retroussé noir, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez vous rendre dans les chaussures. Ok? Une fois dans les chaussures, vous allez vous rendre dans les bottes et il faudra du coup aller chercher les bottes ouvertes chocolat. Donc on descend et on prend les bottes ouvertes chocolat, les 31e. Une fois cela fait, vous allez vous rendre dans les accessoires, dans les gants et vous allez prendre les tactiques clair forêt. Une fois que vous les aurez pris, vous allez sauvegarder tout simplement une première tenue. À ce moment-là, c'est nickel. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vous rendre encore une fois dans les pantalons. Vous allez vous rendre dans les pantalons de sport et cette fois-ci, vous allez prendre le pantalon ample léopard. À ce moment-là, vous allez vous rendre du coup dans les hauts. Vous allez vous rendre dans les blousons de cuir et vous allez prendre la veste biker courte bleue, donc la 66e. Une fois que vous l'aurez pris, vous allez vous rendre dans les t-shirts rentrés et vous allez prendre du coup le 11e, le t-shirt classique noir. Une fois que vous l'aurez pris, c'est nickel, vous allez du coup sauvegarder une deuxième tenue. Les chaussures, on ne les change pas, les gants aussi, on les laisse. Donc voilà, hop, on sauvegarde une deuxième tenue et à ce moment-là, c'est nickel, on aura du coup deux tenues. On aura celle-ci. Et celle-ci. Maintenant, on va faire start en ligne et on va se rendre en éditeur. Une fois en éditeur, on va du coup cliquer sur créer une course, course terrestre. Et là, ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est tester la course. Donc en gros, vous remplissez toutes les conditions et vous testez la course. Il n'y a rien de difficile, d'accord? Vous remplissez et vous testez. Donc une fois que vous aurez fini de tester la course, normalement vous aurez ce message d'alerte. Vous allez l'accepter et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire start
en ligne et vous allez vous rendre encore une fois dans le changement de personnage. Une fois dans le changement de personnage, les potes, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez supprimer le personnage secondaire en faisant bien attention de ne pas supprimer le personnage principal, d'accord ? C'est très important. Donc voilà, vous supprimez le personnage secondaire en faisant bien attention de ne pas supprimer le personnage principal et là vous aurez ce message d'alerte. À ce moment-là, vous attendez qu'il se finisse et vous allez du coup appuyer sur rond pour retourner en mode histoire une fois qu'il se sera fini. Et donc de retour en mode histoire, vous allez du coup appuyer sur Start en ligne et vous allez vous faire jouer, vous allez faire jouer à GTA Online et vous allez vous rendre en session sur invitation. Pote, vous allez vous rendre à un magasin de vêtements et vous allez vous rendre dans les hauts, d'accord ? Vous allez vous rendre ensuite dans les maillots de course et on va aller chercher un maillot de course en particulier, ok ? Donc voilà, hop, je me rends dans les maillots de course et on va prendre le maillot motocross vif, d'accord ? Donc en orange, je trouve que ça rendra beaucoup mieux avec la tenue que des gants motocross de couleur violet ou quoi, d'accord ? Donc voilà, moi je vous conseille cette couleur, mais après si vous avez envie de changer, il n'y a pas de souci. Donc personnellement, moi je vais prendre du coup le maillot motocross vif et une fois que vous l'aurez pris, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur Start, en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar, vous allez faire Versus et vous allez lancer Giro, pète-moi le trou, en gros ripou, d'accord ? Donc voilà, vous lancez Ripou, vous aurez un chargement, vous allez attendre qu'il se finisse et une fois que vous serez dans le menu de l'activité, je vous expliquerai. Donc voilà, on est dans le menu d'activité, vous allez mettre en gros style de vêtement possédé, c'est très important, vous mettez le style de vêtement en possédé, vous confirmez les paramètres, vous invitez des personnes et vous attendez qu'elles rejoignent. Donc une fois dans l'activité, ce que vous allez faire tout simplement, c'est sélectionner la première tenue, ça va vous donner ça, et sélectionner la deuxième tenue, d'accord ? À ce moment-là, vous aurez cette tenue, ce que vous allez faire tout simplement, c'est mettre prêt et attendre la fin du chargement. Et donc une fois dans l'activité, normalement vous aurez la tenue, vous n'aurez plus qu'à vous équiper d'une oreillette ou d'un recycleur ou d'un accessoire tout simplement et quitter l'activité avec votre téléphone. Et donc de retour en mode online, la tenue normalement elle sera sur vous et vous n'aurez plus qu'à aller la sauvegarder. Maintenant vous pouvez faire le glitch de la longue vue pour mettre des masques, des casques, ce que vous voulez. Du coup pour finir la tenue, vous pouvez même mettre un sac des braquages, ce que vous voulez. Et donc voilà les potes, c'était Maiko, moi je vous dis portez-vous bien, vous avez plus qu'à aller sauvegarder la tenue. Et puis go les 400 likes pour cette vidéo, c'est Maiko, moi je vous dis portez-vous bien et ciao.